Rwandaises, Rwandais, chers amis du Rwanda, nous en avons assez des crimes du FPR. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le peuple appelle au secours. Ne faisons pas la sourde oreille. Seule notre mobilisation pourra changer le cours de l'histoire du Rwanda. Madame Yvonne Ida Mandié est en prison mouroir depuis le 15 février 2021 pour avoir dénoncé l'injustice notoire, les violations graves des droits humains les plus élémentaires, les assassinats politiques prémédités et bien d'autres injustices de tout acabit. Madame Ida Mandié a fait preuve d'un courage et d'une détermination inégalable. En somme, elle a appelé pour un mouvement révolutionnaire citoyen. Il nous revient, tous ensemble, de perpétuer cette flamme de l'espoir afin qu'elle ne s'éteigne pas. Devant le malheur des Rwandais, la tristesse et la colère ne suffisent plus. Il faut agir, agir vite et agir fort. Ainsi donc, le 25 septembre 2021, vous et moi, nos voisins, nos enfants, nos amis, mobilisons-nous à partir de 15h, heure de Kigali, Bruxelles ou Paris. Mobilisons-nous pour manifester notre révolte. Mobilisons-nous pour crier notre indignation. Et le monde comprendra et réalisera l'ampleur de cette tragédie qui sévit encore sous silence au Rwanda, loin des caméras. Cette manifestation se déroulera dans plusieurs pays et grandes villes aux quatre coins du monde, simultanément, à la même heure, sur la toile et dans les rues. Dans les rues, devant les ministères, les ambassades, les institutions internationales. Faisons entendre notre voix, la voix des sans-voix, la voix des sans-défense et celle du peuple qui crie au secours. Ne laissons pas faire ce qu'on pourrait empêcher. Cela devient une trahison. Nous en avons assez de la dictature du FPR. Nous avons besoin d'un référendum pour disqualifier le gouvernement du FPR. Nous défendons les droits de Lucé Savadina, Ida Mandié, Karasira, Kayumba et beaucoup d'autres encore qui sont dans une situation similaire. Les disparus comme Bahati, Ntamuhanga, Rutembesa, Harerimana, Twagirimana et beaucoup d'autres malheureux. Nous annonçons la création d'un fonds pour les Rwandais défenseurs des droits de la personne. Nous voulons soutenir nos héros. Nous en avons assez des crimes du FPR. Le 25 septembre 2021, venons ensemble en grand nombre pour protester et les dénoncer. Merci.